l'école du rock. Aujourd'hui, je vais vous présenter un genre d'étude que j'aime bien, que je surnomme l'univers du pop, à partir d'une progression d'accords simples 1, 4, 5, 6. On va jouer accords ouverts, barrés, gamme pentatonique, et on va y ajouter le capot, le tout sur une progression en Do majeur. Accords ouverts. Maintenant, on revient au début pour les explications de cette étude. Progression en Do majeur avec les degrés 1, 4, 5, 6 sur un rythme de cha-cha. Le temps 1 au niveau du rythme, la note est pincée ici sur la cinquième corde. Ensuite, le temps 2 est balayé. Ensuite, on remonte. Et voilà pour la rythmique. Progression en Do majeur. On débute ici sur l'accord de Do majeur avec le degré 1. Degré 6 avec La mineur. Degré 4 avec Fa majeur. Degré 5 avec Sol majeur. Et le degré 1 avec le Do majeur. Ensuite, les accords barrés. On débute sur l'accord de Do majeur ici en barré. Les notes sont Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Position majeure, donc on obtient un accord barré en Do majeur, degré 1, suivi du La mineur ici, degré 6, les notes sont Mi, Fa, Sol, La, toujours sur la sixième corde, cinquième case, la note La plus la position mineure, donc on obtient un La mineur. Ensuite l'accord de Fa majeur, Mi, Fa, position majeure, première case, quatrième degré, et ici, sur la troisième case pour l'accord de Sol majeur, Sol, position majeure, qui est le cinquième degré, et pour terminer ici sur l'accord de Do majeur. Ensuite, la gamme pentatonique en Do majeur, je vais jouer la gamme. On la joue en Do majeur parce que la progression est en Do majeur. On pourrait la transposer dans toutes les tonalités si on le voudrait bien. Et on peut ici y ajouter une extension qui se trouve à être les mêmes notes, mais qui vont nous permettre de remonter un peu plus haut.
terminer le capot case 3 en la majeure, qui en réalité devient un do majeur. Suivi du fa dièse mineur, qui en réalité est un la mineur. Suivi du ré majeur, qui est en réalité un fa majeur. Et du mi majeur, qui est en réalité un sol majeur. Pour revenir ici au la majeur. Et lorsqu'on monte le capot ici en case 5 et qu'on joue en tonalité de sol majeur, c'est tout comme si on jouerait en do majeur également. Le sol majeur ici est en réalité un do majeur. Le mi mineur ici, en réalité un la mineur. L'accord de do majeur ici, en réalité un fa. Et l'accord de ré majeur, en réalité un sol. Pour revenir sur l'accord de sol majeur, qui est en réalité un accord de do majeur. Donc toute la progression qu'on a jouée depuis quelques minutes est dans la tonalité de do majeur. C'est tout pour cette belle étude. Apprenez à transposer ces progressions dans toutes les tonalités. Je vais vous fournir les backing tracks, les partitions sur mon site, le www.lecoleduroc.com. Là-dessus, bonne pratique et bonne semaine. Bye!